Qui est sainte Françoise Romaine, l'avocate de Rome, l'avocate des Italiens, cette grande sainte qui, d'ailleurs, est représentée sur un tableau célèbre qu'on a retrouvé en 2009. C'est un tableau qui représente une femme présente dans le ciel qui regarde une autre pauvre femme présente sur terre qui la supplie à genoux. En réalité, il s'agit d'un ex-voto d'un peintre appelé Nicolas Poussin et qui a peint la reconnaissance de la ville de Rome par rapport à cette sainte lorsqu'elle obtint, en 1656, à peu près 220 ans après sa mort, eh bien, qu'elle obtint la fin de la peste sur Rome. La dame qui est belle et qui est dans le ciel, avec dans les mains des flèches brisées, qui sont les flèches, de la colère de Dieu, c'est sainte Françoise Romaine qui obtient l'intercession pour les pauvres habitants de la terre, tandis que la peste est obligée de partir, chassée par un ange qui tient dans sa main droite le glaive de Dieu qui arrête les sanctions. Vraiment, les Italiens, ils l'aiment, sainte Françoise Romaine, et ils disent, quand arrive le jeudi qui suit, le mercredi des cendres, « Ô Dieu, que la faute offense et que la pénitence apaise, jetez les yeux avec bonté sur votre peuple en prière et détournez les châtiments de votre colère que nous méritons pour nos péchés. » Alors, qui est sainte Françoise Romaine, qu'a l'honneur d'avoir le cœur des Italiens pour elle? Il faut savoir qu'elle naît à Rome en 1384, et ce n'est pas n'importe quelle période de l'Église. C'est une période qui à la fois a vu un grand renouveau de l'Église catholique. On peut le dire, le Moyen-Âge de lumière qui a suivi la réforme de Saint Grégoire VII et qui a vu l'Europe entière se couvrir de cathédrales gothiques, les sommes de théologie être faites, etc., qui a abouti à une gloire, on peut le dire, un sommet du christianisme, en même temps, a été arrêté violemment par tous les fléaux de l'Apocalypse qui sont tombés sur l'humanité, à savoir, coup sur coup, d'abord la guerre de Cent Ans qui a frappé la France principalement, mais aussi la peste noire. Elle déboule sur l'Europe à partir de 1347 et ensuite, périodiquement, comme cycliquement, elle revient et elle détruit une grande partie de l'humanité. On l'appelle la malmort, elle vient brutalement, elle fait paniquer les gens et souvent on meurt sans les sacrements. Ce qui fait que le sourire du Christ qu'on voit sur la cathédrale de Vézelay se transforme souvent en une danse macabre. Ça veut dire que l'espoir joyeux qui était avant, alors que tout était permis, se transforme en douleur. Mais il n'y a pas que cela, il y a la guerre qui partout se répand, il y a la famine et il y a aussi le grand schisme d'Occident. Ça veut dire que les hommes d'Église eux-mêmes, alors que tout a été réformé par le pape Saint Grégoire, eh bien les hommes d'Église se battent pour le pouvoir. Et il y a à un moment donné deux papes, puis trois papes, et puis on s'en sort pas. Et la chrétienté semble vouée à la mort, on pourrait même le dire. Devant tous ces fléaux de l'Apocalypse qui tombent sur la Sainte Église, est-ce qu'elle est maudite par Dieu? En réalité, on le sait, mais en regardant les choses depuis le ciel, Dieu ne veut pas forcément le succès sur terre. Il veut que les hommes arrivent au salut. Et on arrive au salut qu'en ayant un cœur humble, un cœur de pauvre et un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain. C'est ce qu'on appelle la vertu théologale de charité. Donc, cette petite fille, Françoise, naît dans une Rome qui a connu aussi le malheur, dans une famille noble qui a beaucoup de bien. Son père s'appelle Paolo Bussa de Leoni et sa maman Giacobella de Roffredeschi. Ses parents sont profondément croyants et ils savent que la vie est fragile. Ils ont perdu des enfants d'ailleurs déjà, parce que la mortalité infantile est très fréquente à cette période-là. Si bien qu'ils élèvent leur fille véritablement dans la perspective que cette vie n'est qu'un passage, et dans la perspective de la vie éternelle. Ils lui font lire dès sa toute petite enfance des vies de saints, et on sait à quel point les exemples des saints, qui sont évidemment centrés vers le ciel, eh bien, touchent le cœur des enfants. Si bien que cette petite fille, très tôt, va développer une espèce de sens de la pureté, de l'amour de Dieu, du dépassement de soi pour Dieu et pour le prochain. Et elle se développe ainsi dans sa petite enfance, à la fois en faisant des efforts sur elle-même, sur ses défauts qu'elle a comme tout enfant, et puis en se tournant vers Dieu
et vers la Vierge Marie, dans une vie mystique intense, et les deux pieds qui sont la méfiance de soi, et donc l'ascèse qui permet de se tenir debout, parce qu'on doit être comme une Vierge qui veille, parce que le retour du Christ ne va pas tarder. Et d'autre part, l'amour qui unit dans le cœur à cœur avec Dieu, eh bien ces deux pieds, elle s'en sert pour marcher vers la vie éternelle. Évidemment, très tôt du coup, naît en elle la vocation religieuse, et on pourrait dire, mais c'est vraiment tôt, puisque c'est à l'âge de 10 ans qu'elle y pense vraiment. Est-ce qu'elle n'est pas une enfant, une simple enfant? À cette époque-là, on est précoce, parce qu'on peut mourir tôt. Il n'empêche que, parce qu'elle a survécu à tous les aléas dans le palais de ses parents, eh bien, ses parents, sans même lui demander la permission, comme ça se passe dans des familles nobles, décident de la marier. De la marier avec un jeune homme venant d'une famille du même milieu. Et ainsi, on pourra allier les familles, on pourra allier les richesses et être beaucoup plus fort. On le voit, même en cette période-là, ce qui fait les choses du monde, à savoir l'amour de l'argent, de la gloire, mais aussi des plaisirs, eh bien, c'est présent. Le jeune homme qu'on lui présente, qui s'appelle Laurent Ponziani, ne lui déplaît pas, certes, mais son aspiration pour Dieu est plus forte. Et pourtant, eh bien, elle n'a qu'à obéir, elle est petite. Et donc, elle épouse, à 12 ans, en 1396, Laurent. Et en fait, leur mariage va se révéler être un mariage de véritable amour, parce que ce jeune homme est bien, il est juste, il est droit, il la respecte. Plus que ça, ils ont une harmonie intérieure profonde et ce mariage arrangé par des parents qui, techniquement, ne devraient même pas être validés puisqu'il faut pouvoir se connaître, eh bien, il va fonctionner et il va durer 40 ans. Alors qu'elle est toute jeune épouse, donc elle est dans la maison de son mari qui n'est pas beaucoup plus vieux qu'elle, eh bien, elle se dit que puisqu'elle n'a pas été acceptée ainsi par Dieu dans la vocation religieuse, elle fera de sa vie et de son mari sa règle de vie. Et donc, elle décide de se comporter avec lui, avec tout ce qu'il faut se comporter pour être une bonne épouse. Ça veut dire un amour attentif. Attentif à ses qualités, ses défauts, pour ne jamais lui déplaire. Et puis, une obéissance d'amour total, évidemment, dans la mesure de la droiture qu'elle a dans son cœur, si bien que, peu à peu, elle l'attire elle-même vers cette vie sainte. Elle s'impose très vite comme une règle de vie, le fait d'être justement dans son devoir d'État, au jour le jour. Et par exemple, alors qu'elle est confite en dévotion, il faut bien le reconnaître, elle prie Dieu, elle passe son temps à la chapelle. Un jour où elle est à l'office de Notre-Dame, où elle récite un verset de l'office, eh bien, elle se souvient qu'elle n'a pas réalisé une des tâches qu'elle devait faire à la maison. Si bien qu'elle lit le verset et sa pensée est troublée, elle part dans la distraction par rapport à cette chose qu'elle n'a pas faite. Et trois fois elle récite le verset et finalement elle comprend, elle doit faire ce qu'elle a à faire, elle part le faire. Et quand elle revient à l'office ensuite, eh bien elle voit, et ça va être l'une des premières phénomènes mystiques qui vont accompagner maintenant toute sa vie, elle voit que le verset sur son missel s'est écrit en doré, qu'il est tout lumineux. Comme quoi l'obéissance à son devoir d'État au jour le jour a plu à Dieu. Et ça, c'est véritablement important à considérer parce que Sainte Françoise Romaine, finalement, c'est l'une des premières vraies épouses qui est canonisée et comme épouse, comme veuve aussi parce qu'elle va connaître toutes sortes d'épreuves. Ça indique quoi? Eh bien que fondamentalement, la vocation de mariage avec ce rapport d'amour à son mari et d'obéissance mutuelle, c'est la même vocation que la vocation religieuse, mais par des moyens différents. Le sacrement de mariage mène au ciel et on pourrait dire que le vœu de chasteté consiste à se donner quand on est très attiré, mais à se retenir quand on est trop attiré. Et puis le vœu de pauvreté consiste à consacrer toutes ses richesses à son mari, ses enfants, aux pauvres qui sont dans la rue. Quant au vœu d'obéissance, eh bien ça consiste à faire la volonté de son mari, dans le respect évidemment de la droiture, ce qui veut dire que une personne obéissante n'est pas une personne infantilisée. Elle sait arrêter les choses parce que la mesure de l'obéissance, c'est l'amour. Et l'amour ne fait rien d'inconvenant. Dans la vie religieuse, c'est exactement pareil. Une religieuse n'a pas à être, à obéir comme un cadavre à n'importe quel ordre que donne sa supérieure. Elle ne peut pas obéir, par exemple, à un péché. Donc une religieuse, une sainte religieuse, est une femme adulte, déterminée à renoncer à sa volonté propre, par amour pour Dieu. Et du coup, elle choisit d'obéir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, pour Sainte Françoise Romaine,
Sa vie commence à être emplie de ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que sa vie sainte d'humilité, d'amour, qui plaît à Dieu, ne va pas simplement se développer comme ça à l'intérieur de son cœur, mais va être manifestée à elle, et elle en parle à son confesseur, à travers des signes de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est évidemment pas parce qu'elle est favorisée et ses phénomènes mystiques ne sont rien en comparaison de l'humilité qui est dans son cœur, mais parce que Dieu veut faire d'elle, comme il l'a fait quelques temps plus tôt de Sainte Catherine de Sienne, un modèle sensible, à travers des signes sensibles de la façon dont se développe la vie spirituelle quand elle lui plaît. Et donc, quelque temps après ce miracle du verset qui s'est écrit en lettres d'or, voilà que l'apôtre saint Paul lui apparaît en personne, dans un rêve, et il lui dit que c'est son bon ange qui a tracé ses nouveaux caractères pour lui faire connaître le mérite de l'obéissance. Je sais que beaucoup se demandent, mais l'obéissance, c'est quelque chose qui semble aberrant. Dieu nous veut adultes, capables de décider nous-mêmes notre vie. Oui, tout à fait. Mais en même temps, par cette volonté de faire de nous des adultes, il nous demande de choisir véritablement le renoncement à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que dans ce purgatoire qu'est la terre, nous sommes préparés à la vie éternelle et que nul ne peut voir Dieu face à face, c'est ça le paradis, sans mourir à soi-même. Or, notre volonté propre, c'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile à perdre. Et quelquefois, il faut du purgatoire après cette vie pour s'en débarrasser, pour ne penser plus qu'à Dieu et au prochain. Et on s'oublie, et du coup, on se trouve. Et Françoise aime sincèrement son mari, elle l'aime vraiment. Et on peut dire que le premier enfant qui va naître d'eux, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui naît en 1400, donc alors qu'elle a 16 ans, c'est un enfant de l'amour. On ne peut pas dire que c'est un enfant du devoir conjugal, bien au contraire. Le pape François, dans une parole qui a choqué certains, mais ils auraient bien tort, a dit récemment, en 2020, que le plaisir dans l'amour des jeunes époux, est évidemment une volonté de Dieu qu'il bénit. Et ça ne veut pas dire que toute la vie sera dans un tel plaisir, mais en tout cas, il est à la naissance de l'amour, et quand les enfants naissent d'un amour mutuel, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui s'est établie. Très vite, alors qu'elle a 20 ans, donc en 1404, elle donne naissance à son deuxième fils, qui s'appelle Jean Évangéliste. Et un peu plus tard, en 1407, va naître Agnès, leur fille. Et je voudrais raconter quelque chose par rapport à ce deuxième fils qui s'appelle Jean Évangéliste et qui ne va pas vivre longtemps, uniquement 9 ans sur la terre. Cet enfant va développer les mêmes qualités que sa maman lorsqu'elle était petite. On dirait que son âme n'est pas faite pour la terre, mais qu'elle est faite pour le ciel. Et Dieu, de la même façon qu'elle, il se met à le combler du don de prophétie. Si bien qu'il dit des choses à son père en particulier, Lorenzo. Il lui dit « Je vois que à cet endroit-là, et il lui montre un endroit précis sur son corps, un jour, tu seras frappé dans un combat. » Et d'autres prophéties de ce genre lui viennent ainsi comme si son ange était toujours avec lui. Par exemple, il rencontre un jour un religieux des ordres mendiants et il lui dit « Oh, bientôt, vous allez changer d'habit et d'ordre religieux. » Eh bien, ces deux prophéties-là vont se réaliser de manière extraordinaire. Par exemple, en 1409, alors que ce petit Jean Évangéliste n'a que 5 ans, voilà que apparaît en Italie, à Rome, une émeute telle que les papes d'ailleurs quittent la ville de Rome. Il faut savoir qu'à cette période-là, je l'ai dit, eh bien, la papauté, elle est carrément esclave des émeutes de Rome et de familles romaines qui veulent s'emparer du trône pontifical. C'est finalement une place de choix, une place de prince italien. Et donc certains, véritablement, ont volé le ministère pétrinien. Toujours est-il que certains cardinaux se sont enfuis et, je dirais, un autre pape a été élu ailleurs. Ce qui fait que, évidemment, il y a des émeutes à Rome et des meurtres. Chacun prend son camp et quelquefois, on le fait en conscience. Et voilà que Laurent, eh bien, il essaye en conscience de défendre l'Église catholique et dans une rixe, il prend effectivement un coup de poignard à l'endroit que lui avait indiqué son fils. Il n'en mourra pas. Par contre, la menace de la guerre, eh bien, s'approche de sa propre famille et à un moment donné, un des factieux lui demande de livrer son fils aîné en otage le temps que le père se remette.
et elle accepte. Comment pourrait-elle faire autrement? Elle livre donc Jean-Baptiste et elle se précipite à l'autel de la Vierge en la suppliant de protéger son fils, de ne pas faire qu'une telle chose arrive. Et la Vierge lui dit « Ne crains pas, je suis ici pour te protéger ». Le ravisseur, qui a déjà l'enfant sur son cheval, essaye de partir avec lui pour le mettre en lieu sûr et le garder en otage. Le cheval refuse d'avancer, si bien que, eh bien, pressé par le danger pour sa propre vie, il finit par relâcher l'enfant qui retourne auprès de sa mère. Quant au religieux mendiant, eh bien, le pape le nomma évêque et il le devint, de fait. Cependant, le petit Jean évangéliste, lui, eh bien, fut atteint à cette période-là par un retour de la peste. Et calmement, paisiblement, en voyant le chagrin de sa maman qui est là au pied de son lit, il lui annonce que bientôt il mourra, que les soins ne servent à rien. Et effectivement, il se remet à deux saints qu'il aime beaucoup, dont il a lu la vie, saint Antoine de Padoue et saint Onufre. Et le jour même, alors qu'il a fait cette annonce, il part vers le ciel. Il est enterré et on le devine, comment c'est pour sainte Françoise un grand chagrin. Je voudrais m'arrêter ici un instant et il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que de tels malheurs frappent ceux qui s'approchent de Dieu? En réalité, il faut qu'elle passe par ces malheurs, parce que si un jour elle doit aller au ciel et se faire notre avocate, il faut qu'elle nous comprenne, donc elle connaît et la peste, et la perte d'un enfant, et la blessure de son mari, et la guerre qui va jusqu'à l'intérieur de son foyer en menaçant de prendre un de ses fils en otage. Un an plus tard, alors qu'elle se recueille dans l'église Sainte-Cécile de Rome, auprès de la tombe de son petit Jean évangéliste, voilà qu'elle le voit soudain. Et ces visions sont très importantes. Ce sont des visions d'ordre sensible, parce qu'il signifie quelque chose de spirituel. Elle le voit, il est lumineux, et il a auprès de lui un ange, qui paraît encore plus lumineux que lui. Et puis, il lui annonce ceci. « Bientôt, tu sais, je viendrai chercher la petite Agnès qui était âgée à peine de 5 ans à ce moment-là, et je la prendrai pour le ciel. » Ce qui est étonnant, c'est que dans cette vision, elle constate qu'il y a des hiérarchies dans le ciel, et que ces hiérarchies correspondent à celles que les anges avaient au début, au moment de leur création, et que son petit Jean-Baptiste, son petit Jean évangéliste, a pris la place dans une des hiérarchies. Et elle se dit que, effectivement, cette hiérarchie mesure le degré de sainteté. Jean évangéliste lui dit « Je te laisse cet ange-là, il te protégera. » Et effectivement, jusqu'à la fin de sa vie, elle aura la vision permanente de l'ange auprès de lui et elle dira à son confesseur « Quand je le regarde, j'ai l'impression de voir un peu comme quand on regarde avec les yeux nus le soleil et on ne peut pas supporter une telle lumière. » Ce genre de vision sensible, je l'ai dit, a au plan théologique un sens très important. D'abord, il indique à quel point ceux qui sont passés dans l'autre monde et qui sont dans le paradis sont proches de nous, ne sont pas séparés, ne sont pas loin de nous, à ne pas s'occuper de nous, loin de là. Et quand le protestantisme dira que si on se confie à ces saints du ciel, on enlève de l'honneur à Jésus-Christ, il se trompe vraiment. D'autre part, certains ont dit qu'en voyant cet ange lumineux qu'elle ne pouvait pas supporter tellement sa lumière était brillante, elle a vu Dieu face à face. En réalité, elle a plutôt vu une image de ce que serait un jour la vision béatifique. Il faut bien le noter, ce qui est donné à sainte Françoise Romaine est toujours à travers des symboles sensibles et c'est à nous de comprendre leur signification spirituelle. Après ces grands événements et ces premières épreuves qui vont préparer son cœur, eh bien, la vie conjugale se passe dans le bonheur, dans la joie, dans les soucis aussi de tous les jours. Mais elle continue, et elle continue de développer sa vie du côté de l'humilité, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Les années passent, et voici qu'arrive l'année 1414. Alors, soudain, de nouveau, l'épreuve frappe sa maison. Elle est frappée d'une maladie, une maladie grave. Elle est sur un lit pendant de longs jours et de longs mois et elle ne peut pratiquement plus en sortir. Plus tard, une grande sainte appelée sainte Thérèse d'Avila et son compagnon, confesseur qui s'appellera saint Jean de la Croix, formaliseront ce que signifient ces deux épreuves successives dans la vie de sainte Françoise Romaine. La première, qui arrive au début de son mariage, on peut dire que c'est comme la nuit des sens qui la détache de cette terre et elle perd aussi le plaisir de vivre en cette terre.
Quant à la seconde, eh bien c'est un peu comme la nuit de l'esprit. Ça veut dire que Dieu se cache à son âme afin que elle ne trouve plus pour l'aimer rien, si ce n'est lui-même. Aucun plaisir, aucune utilité, mais lui seul. D'ailleurs, tout ceci va être signifié à Sainte Françoise Romaine parce que, alors qu'elle est au plus mal, voilà que lui apparaît un saint qui s'appelle Saint Alexis de Rome. Saint Alexis de Rome, c'est quelqu'un d'assez étonnant parce qu'il a été retiré du canon romain dans les années 1960, ce qui est parfaitement absurde puisqu'il était apparu à Sainte Françoise Romaine, mais parce qu'on n'avait pas assez de sources sur lui. Ce serait donc un jeune homme de noble famille romaine qui aurait tout quitté alors qu'un beau mariage se présentait à lui pour vivre uniquement pour le Christ, comme un mendiant, comme un clochard. Il se serait retiré dans la partie orientale de l'Empire où il aurait vécu là 17 ans. Puis, ayant été reconnu pour sa sainteté, il aurait fui et retourné à Rome où il aurait vécu 17 nouvelles années auprès de ses parents qui ne l'auraient jamais reconnu, qui l'auraient pris pour un clochard qui traînait dans la rue. C'est là qu'il serait mort. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est chargé par le ciel de lui apparaître, ce saint qui est fêté actuellement, toujours dans l'Église orthodoxe? Eh bien pour signifier certainement que ce qui plaît le plus à Dieu dans le cœur de Sainte Françoise Romaine, eh bien c'est sa parfaite humilité, sa mort à elle-même, son détachement. Elle ne compte plus, seul compte son mari, ses enfants, Dieu, là où il l'a mis. Et ça, ça plaît à Dieu. Jamais Dieu ne résiste à un cœur qui a tout, qui a renoncé à tout. Il va donc lui apparaître deux fois. La première fois, il lui dit « Est-ce que tu souhaites retrouver ta santé? Est-ce que tu souhaites guérir ?» Et elle, eh bien, elle répond « J'aimerais beaucoup aller au ciel, mais en même temps, je me dois à ceux qui sont là, que je laisse sur la terre. » Et il va lui apparaître une seconde fois pour lui annoncer qu'elle est exaucée, elle pourra rester sur terre. Et effectivement, en un instant, elle retrouve une parfaite santé. On le voit, finalement, la seule chose qui compte maintenant, c'est qu'elle a renoncé à ce plaisir d'aller au ciel. Elle a préféré rester sur terre, non pas parce qu'elle détesterait le ciel, bien au contraire, mais parce qu'elle ne compte plus, et ce qui compte uniquement, c'est ceux envers qui elle a un devoir. Cette guérison est absolument stupéfiante et sa belle-sœur qui partage avec elle la même piété qui s'appelle Vanozza, eh bien, elle décide de l'emmener, d'aller avec elle à l'église Saint-Alexis pour rendre grâce à Dieu. Comment pourrait-il en être autrement? Et à partir de ce moment-là, on peut le dire, sans doute parce qu'elle a renoncé à tout, eh bien, sa maison devient comme une sorte de maison religieuse, emplie de sainteté. Ses servantes sont comme ses amies. Et tout ensemble, eh bien, entraînées par le zèle de Sainte Françoise Romaine, elles ne pensent qu'à la vie éternelle et elles font leur travail au jour le jour, patiemment dans ce purgatoire de la terre. C'est aussi à partir de cette période-là que ces visions vont se mettre à se multiplier. Et je le dirai, il faut que je les étudie puisque dans la prochaine vidéo, je regarderai et j'analyserai la plus profonde des visions, celle qu'elle a eue sur l'enfer. Il faut bien comprendre que les visions de Sainte Françoise Romaine sont toujours de type sensible. Ça veut dire que, sous forme de symbole, il faut bien comprendre que ce sont des réalités spirituelles qui apparaissent. Par exemple, dans sa 14e vision, elle voit le ciel. Et elle voit que celui-ci est divisé en trois cieux, le ciel étoilé, le ciel cristallin et le ciel empierré. Et donc, elle voit que le ciel empyré, c'est le ciel le plus lumineux qui puisse exister et que ce sont les plaies de Jésus qui illuminent ce troisième ciel. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'elle décrit le paradis céleste? Peut-être que ça a ce sens-là, mais on peut trouver d'autres sens tout à fait terrestres que, encore une fois, Sainte Thérèse d'Avila décrira. Il y a des étapes dans la vie spirituelle. Et par exemple, en premier, pour ceux qui sont chrétiens depuis leur naissance, eh bien, leur zèle pour Dieu va être volontaire et il se dirige vers Dieu un peu à la rame en se disant « Je comprends que c'est lui seul qui compte et donc je le cherche ». C'est un peu le ciel étoilé où, n'ayant pas encore senti la présence de Dieu, en tout cas on l'aime et on l'aime un peu comme une épouse aimerait dans un mariage de raison son époux. Et puis, le ciel cristallin, c'est quand la grâce de Dieu, une grâce sensible, vient illuminer le cœur un peu comme quand dans un mariage on se met à aimer passionnément son époux par la sensibilité. C'est une grâce de Dieu, hein?
Est-ce que celui qui est dans le ciel cristallin, c'est-à-dire qui est porté par le souffle de l'esprit comme cela, aime davantage que celui qui est dans le ciel étoilé? Non, on ne peut pas dire ça. C'est un amour un peu différent, simplement, et tellement plus facile parce qu'on a touché du doigt la présence de Dieu. Quant au ciel empyré, qui n'est éclairé que par les plaies de Jésus, il n'arrive, dira saint Jean de la Croix, que lorsque on a connu la nuit de l'esprit. Ça veut dire une perte de tout au point que on n'a plus d'illusion sur soi. Certains se sont demandé, par exemple avec Luisa Picaretta, ce que ça voulait dire que d'être dans la volonté de Dieu. Et quelquefois, ils ont imaginé que c'était une grâce insigne, un privilège qui faisait de nous une élite. En réalité, c'est l'inverse. C'est parce que, étant passé par la croix de Jésus, on a compris qu'on n'était rien. Évidemment, pas une croix volontaire comme dans le ciel étoilé où on fait de l'ascèse pour marcher vers Dieu. Pas non plus par la nuit des sens qui est simplement la perte de la présence de Dieu lorsqu'on l'a connue par exemple dans le ciel cristallin. C'est carrément quand on ne comprend plus Dieu, ce qu'il nous veut. C'est une nuit de l'esprit, ce qu'a connu le Christ à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi, mort à soi-même, seul compte Dieu et le prochain. Je n'ai pas donné l'unique sens, hein, bien sûr. J'ai donné un sens qui était dans le ciel, qui était notre vie spirituelle lorsqu'elle se développe sur terre. Et il faudrait regarder la même chose, par exemple, dans le purgatoire, dans l'autre monde. Ou alors, dans ceux qui sont dans la vision béatifique. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, l'essentiel étant que tous ceux qui voient Dieu face à face le voient en plénitude. Parce que on voit Dieu ou on ne le voit pas. Et donc, lorsqu'on voit Dieu, aucun obstacle créé ne se met entre notre intelligence et lui. Et je ne développerai pas cela, mais qu'on comprenne que quand je développerai dans la prochaine vidéo l'enfer, qui va lui être présenté aussi sous forme de douleur physique, eh bien, tout cela a un sens spirituel. Un autre exemple, dans sa 17e vision, Dieu lui montre sa divinité, ce qu'on pourrait appeler la vision béatifique, et donc, est-ce qu'elle a vu vraiment la divinité? En réalité, encore une fois, elle le voit de manière sensible, sous forme d'un soleil lumineux, de forme ronde, magnifique, lumineux, au point qu'elle ne peut pas supporter sa vision. Et elle dit les paroles suivantes au milieu, qui disent « principe sans principe et fin sans fin ». Il jette un éclat si vif qu'on comprend qu'il est la toute-puissance éternelle, celui qui a créé toutes choses. Et d'ailleurs, elle voit, elle assiste à la création des anges. Elle voit comment ils sont tous créés en même temps, en un instant, par la puissance de Dieu, qui les laisse tomber comme des flocons de neige vers les nuées et sur les montagnes pendant une saison d'hiver. Et quant à ceux qui se révoltent contre Dieu, elle les voit qu'ils forment le tiers de l'immense multitude des esprits. Est-ce le tiers au sens matériel ou est-ce que c'est simplement une part que Dieu connaît? On le verra dans l'autre monde. Par contre, le fait que ce silence, ce soleil, est paisible et silencieux, indique que tout en étant tout-puissant et lumineux, parce qu'on a la plénitude de la connaissance en le voyant, il est tout simple, tout humble. Et je dirais indescriptible, mais il laisse la possibilité, quand on le voit face à face, d'être soi-même dans l'action vers les autres, sans jamais quitter sa présence. L'une de ses plus profondes visions a lieu alors qu'elle a 48 ans, le 13 février 1432, et elle est étonnante. Elle voit apparaître Sainte Marie-Madeleine et Sainte Agnès dans le cœur des Vierges. On se dit, mais Sainte Marie-Madeleine dans le cœur des Vierges, Sainte Agnès, on comprend. Sainte Marie-Madeleine, en fait, la virginité de son cœur, elle l'a parfaitement retrouvée, totalement. Et elle lui chante ce cantique-là, qui dit tout sur la place énorme que présente dans le chemin de la vie spirituelle l'humilité. Elle chante ce cantique, si quelqu'un désire entrer dans le cœur de Jésus, il doit se dépouiller de toute chose, tant intérieure qu'extérieure. Il doit se mépriser et se juger digne du mépris éternel. Il doit agir en toute simplicité, n'affecter rien qui ne soit conforme à ses sentiments, ne point chercher à paraître meilleur qu'on est aux yeux de Dieu. On semble entendre les paroles de Jésus qui dit « Qui se cherche se perd, mais qui se perd se trouve pour la vie éternelle ». Et cette perte de soi-même, elle montre jusqu'où elle peut aller. Il faut recevoir les injures, les mauvais traitements comme des caresses. C'est évidemment quelque chose qui va tellement loin.
un tel renoncement à soi-même qu'on la voit simplement, je l'ai dit, chez saint Alexis, ou alors sainte Marine qui fit pareil, une petite sainte qu'on accusa de viol alors que, camouflée en homme parce qu'elle voulait vivre une vie monastique, elle était en fait une femme et jamais elle ne se plaignit. Il lui fut montré qu'en fait, pour atteindre parfaitement tel que Dieu le pensait ce degré de perfection et d'humilité, une seule personne l'avait atteinte en plénitude, c'était la Vierge Marie. Le pape François a dit en 2019 une phrase qui a choqué certains parce qu'il disait « Marie n'a jamais demandé d'être reine des anges, d'être médiatrice de toutes les grâces, d'être co-rédemptrice. » Et il a bien raison, le pape François. Le problème, c'est que c'est Jésus, parce qu'elle s'est abaissée jusqu'à mourir à elle-même, qui lui a donné ses titres lorsqu'il l'a couronnée reine de son cœur, et elle l'est vraiment. Qui s'abaisse sera élevé. Évidemment, ce sont ensuite les grands pères spirituels de l'Église qui diront « Oui, mais attention, cet abaissement-là qui conduit à ce degré de perfection dans la volonté de Dieu, il y en a une partie qui dépend de nous, en se confessant, en regardant ses péchés, en se comportant avec humilité. » Ça, effectivement. Mais il y en a une partie, l'entrée dans le ciel empyré dont elle parlait plus haut, qui ne dépend que de Dieu. Par les plaies de Jésus, lorsqu'il nous impose lui-même, pour purifier notre cœur, certaines souffrances, comme il se les est imposées lui-même à la croix, et lui-même, Jésus, tout fils qu'il était, dit l'Épître aux Hébreux, il a appris de ce qu'il a souffert. Je voudrais parler maintenant de sa 43e vision, qui est magnifique aussi de symbole, parce qu'elle reprend, on pourrait le dire, toute l'utilité qui sert pour se diriger vers le salut. D'abord, elle voit Jésus, qui se tient sur ses genoux, et il a une forme d'un petit agneau. Là, on le voit, comment Dieu lui-même, Jésus, est véritablement le plus petit de tout, de tous, et c'est pour ça qu'il est le plus grand, lui qui est le Dieu éternel, le Créateur du monde. Et ensuite, elle voit un magnifique autel, et puis elle voit devant l'autel des symboles qui sont éloignés certains et d'autres plus proches de l'autel, ça veut dire plus proches de la proximité de Dieu. Elle voit d'abord, au premier rang, c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné de l'autel, il y a 7 chandeliers qui signifient, dit-elle, les vertus principales. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement ce que dit le Concile Vatican II, Non Nostra Aetate, les vertus humaines des philosophes, donc prudence, tempérance, force, justice, ça ce sont les 4 vertus cardinales. Et puis des vertus intellectuelles comme la sagesse, l'intelligence, la science, ce sont des vertus qui nous permettent de connaître le monde. Eh bien, certes elles ne sauvent pas, elles ne sont pas tout contre l'autel, mais elles préparent au salut. Certains ont rejeté Vatican II en disant « mais c'est n'importe quoi, alors ça veut dire que tout se vaut ». Non, c'est bien indiqué, c'est encore éloigné, mais ce n'est pas vain. Quand on acquiert ces vertus humaines par, je dirais, ne serait-ce qu'un comportement droit, alors qu'on ne connaît même pas Dieu, on s'approche déjà de Dieu. Et puis, dans un cercle plus proche de l'autel, il y avait 12 chandeliers qui signifient les 12 articles du symbole. Pourquoi? Parce que, une fois qu'on entre dans la connaissance, non pas du symbole, au sens le credo simplement, mais de ce qu'il signifie, la connaissance de qui est Dieu, sa Trinité, ce qu'il a fait en se faisant homme, sa mort sur la croix, sa résurrection, la charité qu'il propose. Tout d'un coup, on devient lucide de ce qu'on fait sur terre. Et donc les vertus morales, eh bien, sont dépassées par une connaissance de la sagesse mystique, la sagesse la plus profonde, qui certes, en elle-même, ne suffit pas. Mais comme le dit saint Athanase, celui qui n'a pas cela, comment pourrait-il franchir l'étape suivante ? En effet, si on ne connaît pas le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu, on pourra l'aimer de charité, d'une charité vivante? Et c'est pourquoi le cercle suivant, il y avait 7 chandeliers qui signifiaient les 7 dons du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit évidemment la théologie. Une fois qu'on connaît Dieu, qu'on tombe amoureux du coup de lui, on est porté par la grâce. Et alors, on peut répondre à cet amour qui nous attire vers lui par un amour de charité. L'Esprit-Saint vient habiter en nous. Et produit en nous 7 dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire toutes les formes, les délicatesses d'un amour intime, réciproque, qu'on appelle la vertu théologale de charité. Je peux les citer, hein, don de sagesse qui nous fait contempler Dieu, dans ce qu'il est, dans sa Trinité, don d'intelligence qui nous fait comprendre les intentions de Dieu sur nous,
don de science qui nous fait contempler la nature comme étant œuvre de Dieu, véritablement, et c'est magnifique, alors donc ça venait de lui. Don de conseil qui nous fait chercher sa volonté pour y obéir. Don de piété qui envahit notre cœur pour l'aimer tendrement, tellement il a fait des belles choses pour nous. Le don de force qui nous fait être capable d'affronter les épreuves de la vie pour nous battre pour notre amour. Et puis enfin, le don de crainte. Non pas la peur de Dieu, mais la crainte d'offenser son bien-aimé. On le voit comment le Saint-Esprit nous approche véritablement de l'autel. Et pourtant, cette charité répandue dans le cœur elle-même, eh bien, il y a quelque chose d'encore plus proche de l'autel, on pourrait dire, qui actue cette vertu de charité. Et elle le dit, il y avait 7 autres chandeliers encore plus proches de l'autel et qui représentaient les 7 sacrements de l'Église. Ça veut dire la manière dont Dieu va se donner à nous par sa grâce à travers des actes sensibles, dont le supérieur, le plus grand, qu'est l'Eucharistie. Certains ont dit, mais l'Eucharistie, c'est tout, tout le ciel est dedans, oui, mais tout le ciel est dedans, encore sous la forme du pain et du vin, pas sous la forme que on souhaite avoir lorsque on le verra, non plus dans le désert de cette terre, mais face à face, dans l'éternité. Évidemment qu'on n'est pas fait pour l'Eucharistie toute seule, on est fait pour voir Jésus de ses yeux et voir son âme directement dans la gloire. Donc on le voit bien, l'autel lui-même, c'est la vision béatifique et tout le reste, ce sont les étapes, le chemin de purification qui sur cette terre nous y conduit. Quant à l'autel lui-même, ce qui l'approche le plus, je pense que c'est ce que diront tous les mystiques, c'est l'oraison du cœur. Où on est contre l'agneau, il est contre notre cœur, certes encore sous forme de l'agneau, pas encore, je dirais, sous la forme dont on le verra dans l'éternité, mais là vraiment, celui qui prie, tous les moyens sont au service. Et ça se répand sur le prochain en vie éternelle. Cette vision va avoir lieu le jour de la Toussaint et va durer 13 heures. Même ça, ce n'est pas vain. Pourquoi la Toussaint? Eh bien, ça indique que les saints du ciel, ils passent leur temps à nous aider, à nous approcher de l'autel. C'est leur seul but. Ils passent le temps à faire du bien sur la terre. Et nous-mêmes, lorsque nous arriverons de l'autre côté, il faut faire cela. La vision dura 13 heures, ce qui indique que la vie terrestre peut paraître longue. Et elle raconte ensuite, « Je vis les principaux ordres de saints qui s'avançaient sous leurs étendards. Il y avait d'abord les patriarches qui étaient conduits par saint Jean-Baptiste. » Ça veut dire qu'en fait, tous les anciens prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, ne sauvaient pas. Mais ils préparaient notre âme au salut. Ça correspond aux vertus morales dont j'ai parlé tout à l'heure, prudence, justice, force, etc. Ensuite, il y avait les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, puis les évangélistes par Saint-Jean et Saint-Marc, les martyrs par Saint-Laurent et Saint-Étienne, les docteurs par Saint-Grégoire et Saint-Jérôme, les religieux par Saint-Benoît, Saint-Bernard, Saint-Dominique, Saint-François, les ermites, les veuves, les femmes mariées par Sainte-Cécile. C'était véritablement, on le voit, tous les chemins qui mènent à Dieu, tous les chemins de la sainteté. Et au cours de ces vies de saints que je développe sur l'Institut Docteur Angélique, on voit bien que finalement, effectivement, il y a plusieurs sortes de saints, les saints docteurs, les martyrs, les vierges, les veuves, ceux qui s'occupent de la charité. Bref, toutes les sortes de vies sont au service de l'Église, l'essentiel étant de le faire par amour de Dieu, par amour du prochain, dans l'humilité. On le voit vraiment, Dieu la comble de grâce et tout est noté par son Père spirituel qui en écrira plus tard un livre. Évidemment, ce moment de paix, parce qu'on est sur la terre, ne peut jamais durer, arrive tôt ou tard d'autres épreuves. Et c'est ce qui va se produire lorsque Rome est envahie par Ladislas d'Anjou, du Durazzo. Et évidemment, les nobles de Rome, dont son mari, eh bien Lorenzo Ponziani, est obligé de s'enfuir. Mais comme il était de l'autre partie, eh bien, voilà que ses biens sont confisqués et elle se retrouve véritablement sans rien. On est toujours dans ces guerres d'Italie, Ladislas c'est le roi de Naples et puis du coup il a pris la ville de Rome, voilà où on en est. Ce sont des conflits de la terre, bassement terrestres. Elle, dans ces circonstances-là, son âme ayant déjà été illuminée par la seule chose qui compte, la vie éternelle, eh bien, on la voit qui prend cette pauvreté soudaine, paisiblement, avec le calme qui reste dans son âme, la sérénité parfaite de son visage. Et on peut dire que sa simple présence dans Rome pacifie les gens. Il voit bien que, avec cette noble dame,
si souriante, si paisible, qui se soucie des pauvres, qui sont évidemment frappés en premier. Quand les riches perdent leur richesse, les pauvres rentrent dans la misère. Eh bien, ils se sentent compris. Le choc, évidemment, a été rude et, on peut le dire, s'il restait, ne serait-ce que pour son mari Lorenzo, à apprendre à quel point les biens de la terre sont fragiles, eh bien, on peut dire qu'il l'a appris. La mort, encore une fois, est passée près de lui. Toujours est-il que les choses se calment, on leur rend leurs biens, on leur rend leurs richesses, la paix retourne dans la ville. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle va voir son mari et elle lui explique qu'il serait bien maintenant qu'ils sont plus âgés, qu'ils se consacrent totalement, totalement à Dieu, pour se préparer à la vie éternelle. Et le mari trouve que c'est très très bien. À partir de ce moment-là, eh bien, ils vont décider de vivre comme frères et sœurs, de ne plus avoir de vie sexuelle, non pas qu'elle soit mauvaise, mais simplement parce que c'est une autre époque de leur amour. Quant à Sainte Françoise de Romaine, on pourrait dire qu'elle est paisiblement sur le chemin de la vie éternelle. Pas du tout. Elle se méfie d'elle-même, elle se connaît. Et donc, à partir de ce moment-là, non seulement elle vit consacrée comme dans une forme de vie religieuse, mais elle pratique sur elle-même une ascèse extrêmement forte. On a la description par son biographe. Il dit ceci. Elle ne mangeait plus qu'une fois par jour, elle ne se nourrissait plus que de pain et d'eau, ou au plus de quelques légumes qu'elle prenait une seule fois par jour. Elle s'interdit pour jamais et jusqu'à la mort l'usage de linge fin. Elle ne se vêtit plus, dessous ses habits de serge, que d'un âpre cilice, d'une ceinture faite de crins de cheval. Alors je voudrais m'arrêter ici et me demander pourquoi est-ce que les saints, surtout à un tel niveau de perfection, évidemment, elle n'a pas de tentation comme nous, pourquoi est-ce qu'ils pratiquent de telles choses ? Certains ont interprété ça comme un amour de la souffrance qui viendrait d'une mauvaise compréhension des visions qu'elle a eues. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Elle le sait très bien. Ces pénitences-là ne produiront en elle nulle humilité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on pense qu'elle n'a nulle tentation, on se trompe. Elle est fragile, elle est faite de chair, et les pensées reviennent dans sa tête toujours, toujours. On pourrait dire que cette faiblesse-là que le Seigneur nous a imposée, il n'a pas laissé la grâce d'harmonie après le péché originel, tout en retirant sa présence. C'est pour une raison simple qui est racontée à saint Paul. Saint Paul le dit, « Je constate dans ma chair une écharde. Trois fois de suite, j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer. Il y a un ange de Satan qui est chargé de me souffleter. » Et le Seigneur m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que se déploie ma puissance. » Et de fait, jusqu'à la fin de cette vie terrestre, et jusqu'à l'heure de la mort où le Christ nous apparaît, le Seigneur nous laisse des faiblesses, y compris pour Sainte Françoise Romaine. Ce n'est pas parce qu'il veut se venger de nous, mais parce que, premièrement, grâce à ces faiblesses-là, il nous maintient dans l'humilité. Et elle, parce qu'elle ne veut pas céder à ces faiblesses-là, elle s'impose cette pénitence pour rester debout. Donc, ce jeûne qu'elle pratique, c'est un peu ça, hein, c'est en fait pour rester éveillée, parce que sinon, elle s'endormirait dans son confort, elle ne vaut pas mieux que les autres. Ça, c'est la marque de sa lucidité et de son humilité. Deuxième utilité, elle veut participer aux souffrances du Christ. Elle veut vivre ce qu'il a vécu pour nous. Et c'est possible, le Seigneur qui est au-delà des temps et des lieux, évidemment. Eh bien, 1400 ans avant, lorsqu'il était crucifié, il voit la petite Françoise Romaine qui offre ses souffrances pour lui et il en est soulagé. Certainement, est-ce la raison pour laquelle il n'est resté que 6 heures sur la croix, alors que quelquefois des crucifiés y restaient 15 jours avant de mourir. Et puis, troisième chose, l'amour du prochain. En connaissant elle-même la misère, les souffrances et tout ce par où elle est passée. Voilà pourquoi les Romains savent qu'ils peuvent compter sur elle. Les Romains, c'est le symbole de notre âme, de l'humanité tout entière, avec ses propres faiblesses, ses péchés, parce que notre cœur est comme Rome. Il y a en nous la bataille pour l'argent, pour les plaisirs égoïstes, pour la gloire. Et puis, il y a en nous le désir de Dieu, comme Rome. Eh bien, elle est là, elle se fait notre avocate, comme dans la photo que j'ai montrée au début de cette vidéo, où elle intercède pour que la peste s'arrête. Il faut donc bien comprendre que ces pénitences sont utiles, mais qu'il y a plus important que ces pénitences. Je l'ai dit, c'est l'obéissance qui procède elle-même de l'amour. Et donc son confesseur, parfois, parce qu'elle lui raconte tout, bien évidemment, il est raisonnable, il la fait renoncer à certaines pénitences, et elle obéit.
Alors, on pourrait dire, est-ce que son confesseur faisait une erreur ? Non, pas du tout. Il ne faisait pas une erreur. Les pénitences en elles-mêmes, si quelqu'un arrive à les faire, et si elles produisent de l'orgueil, à quoi elles servent ? Rien du tout. Alors que si elles sont vécues par amour et l'humilité, donc avec l'obéissance, alors elles prouvent qu'elles peuvent, eh bien, faire les trois effets que j'ai indiqués. Outre cette vie ascétique, donc cette prise en main de soi-même, cette méfiance par rapport à elle-même, eh bien, évidemment, le cœur du cœur, c'est sa vie mystique. Et avec sa belle-sœur, eh bien, elle continue de pratiquer assidûment la prière de toutes les façons possibles. Elle court les églises de Rome. Elle va voir les saints, parce qu'il y en a beaucoup de saints martyrs qui ont été enterrés dès le début de l'église à Rome. Et puis, elle prie. La vie de prière est essentielle. Tout ce qu'elle a vu dans les visions, les cercles qui s'approchaient de l'autel, elle le pratique, et en particulier, par exemple, les sacrements. Elle s'en sert. C'est un moyen donné par Dieu, on le sait. Ils sont passagers, ils ne dureront pas dans l'autre monde, mais elle s'en sert. Si Dieu les a donnés par son Église, alors c'est qu'ils sont utiles. Et donc, chaque semaine, et au moins une fois par semaine, eh bien, elle se confesse. On pourrait dire, mais de quoi peut-elle se confesser, elle qui a une telle perfection ? Eh bien, sans doute, toujours des mêmes défauts. Et certains d'entre nous se découragent à un moment donné en disant « ça sert à rien, je promets de ne pas recommencer, je retombe dedans ». En réalité, cette confession, elle sert à rester toujours à genoux devant le Seigneur. Parce que les deux pieds maintenant qui mènent au paradis, je l'ai dit, c'est le développement perpétuel de l'humilité accompagné de l'amour. L'humilité toute seule, avec la perpétuelle perspective de son péché, pourrait conduire à ce qu'on appelle le jansénisme, une tristesse, une absence de fréquentation des sacrements. On est centré sur son malheur intérieur. L'amour tout seul, qui se développe vers Dieu dans des grâces mystiques intenses et vers le prochain, elle passe son temps, évidemment, avec sa belle-sœur à faire du bien aux habitants de Rome, pourrait conduire à une certaine fierté. On est quelqu'un de bien, on s'occupe des autres. Les deux ensemble, humilité et charité, sont comme les deux témoins dans notre âme et ils se modèrent l'un l'autre. Certains ont dit, mais l'amour ne doit pas être modéré. Si, l'amour peut être modéré, non en lui-même, on peut tout donner par amour, mais à cause des effets qu'il produise, il valorise. Parce que quand on fait du bien, évidemment, on en reçoit du bien en retour et surtout une grande valorisation par rapport à soi, d'où le pied de l'humilité. Quant à l'humilité elle-même, on pourrait dire elle suffit, bien sûr que non. L'humilité n'a de valeur que quand elle produit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Les mystères douloureux n'ont de sens que parce qu'ils se terminent dans les mystères glorieux. Nous sommes une religion de la joie, d'une bonne nouvelle. La croix n'est que le chemin qui produit en nous un cœur modeste. Alors je voudrais m'arrêter ici devant quelque chose de particulier, mais qui mérite d'être raconté, ne serait-ce que parce que beaucoup de personnes qui suivent le chemin de Sainte Françoise Romaine dans la vertu connaissent cela. En réalité, elle a des phénomènes mystiques sensibles, je l'ai dit, qui décrivent la vie spirituelle, et forcément, du coup, elle a aussi des phénomènes mystiques démoniaques. Mystiques démoniaques, peut-être que le mot est mal choisi, disons des phénomènes stupéfiants où le démon apparaît. Et je voudrais décrire exactement les apparitions pour bien indiquer quel genre de tentations peuvent tomber, en particulier sur des âmes qui veulent marcher vers Dieu. Le démon, qui ne voyait qu'à regret la vertu de Sainte Françoise Romaine, résolut de la combattre. Et alors il employa tous les efforts pour la perdre en se présentant à elle, à son esprit, en mille postures épouvantables, avec des gestes ridicules et immodestes. Il l'attaquait souvent durant ses prières, il se roulait le visage contre terre, il la traînait par les cheveux, il la battait et la fouettait cruellement. En réalité, eh bien, ce sont toutes les tentations dont parle Saint Paul quand il parle d'une écharde dans la chair. Toutes les tentations qui peuvent prendre une âme qui se dirige vers Dieu, à savoir le corps qui réagira, par exemple, à travers la luxure, par des pensées non pures, des corps humains. Et ça va lui arriver en particulier, par exemple, un jour, elle mène un rude combat. Le démon transporte le corps d'un homme mort dans sa chambre. Et un homme nu. Et ce corps, il l'oblige
à être contre elle pendant un long moment et elle est comme paralysée par le démon. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et de ce corps, elle le sent, il émane une odeur épouvantable de cadavre. En réalité, on le voit, c'est une tentation de sexualité qui ne donne pas la vie, quelque chose comme ça qui lui est arrivé. Toujours est-il que jusqu'à la fin de sa vie, au souvenir de ce qui lui est arrivé ce jour-là, elle en aura des frémissements d'horreur. Il ne faut donc pas s'étonner et, je dirais, s'affoler quand quelqu'un de très limpide, de très pur, pour qui l'amour et le corps de l'homme sert en particulier pour celui qu'on aime, eh bien, arrive malgré tout des tentations où l'amour est séparé uniquement pour la jouissance sexuelle. Ce sont des tentations. Il faut se bagarrer et se confesser. Les pensées elles-mêmes ne sont pas des péchés, mais véritablement parce que la chair est faible, il peut arriver que ça aille plus loin. Toujours est-il qu'elle connaissait sa misère. Le démon, quant à lui, évidemment, il ne tente Sainte Françoise Romaine que pour la faire tomber, tandis que le Christ, s'il permet qu'il vienne, c'est pourquoi ? Premièrement, pour qu'elle n'oublie pas sa misère. Deuxièmement, qu'elle comprenne les pauvres femmes qui parfois ont cédé à ce genre de tentation, et les pauvres hommes aussi. C'est ainsi que, du ciel, véritablement, elle est l'une de nous. Elle se fait notre avocate, d'où cette vision dont je parlais au début. Quand elle intercède pour la ville de Rome, loin d'être dure, elle comprend la misère des habitants de la terre, elle y est passée. C'est ainsi que nous, au ciel, ayant vécu les mêmes choses, nous serons pleins de miséricorde pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous ne les condamnerons pas, nous savons ce que c'est que vivre dans la chair. Et le démon l'attaquait par bien d'autres circonstances, comme par exemple son confesseur. Eh bien, il était pris parfois, étonnamment, d'un esprit de colère contre elle. Il ne savait pas pourquoi, mais tout d'un coup, ce qu'elle racontait l'énervait. Et elle obtint, à un moment donné, par la prière, qu'il en soit délivré. Ainsi, il peut arriver qu'on est persécuté par des membres même de l'Église. Et en fait, ça vient du démon, qui, pareil, est permis par Dieu. Et pourquoi ? Eh bien, pareil, pour produire en nous l'humilité. Il ne faut donc pas en vouloir au pauvre homme qui quelquefois, par exemple, a persécuté Padre Pio, un prêtre du Vatican. Lui, peut-être qu'il était sincère et qu'il était simplement manipulé par le démon. Toujours est-il que Padre Pio, lorsque cet homme est arrivé dans l'autre monde, il s'en est fait son avocat, bien sûr. Tout ce qu'elle vit, elle le raconte à son confesseur et elle n'est pas laissée seule. Non seulement elle a son mari qui, évidemment, ne comprend pas tout, il n'a pas la même vie spirituelle, mais il l'accompagne, il la protège. Mais surtout, elle a la pieuse Vanossa, sa belle-sœur, qui est toujours avec elle. Et leur amitié spirituelle font qu'elles marchent ensemble, véritablement comme deux affectionnés vers le Seigneur. D'ailleurs, à un moment donné, il sera donné une sorte de signe sensible que cette amitié spirituelle plaît à Dieu. Elles étaient un jour en train de parler au pied d'un poirier, et de parler de la vie éternelle, de leur désir d'enfin être dans la patrie, quand soudain tombèrent de ce poirier deux poires absolument, je dirais magnifiques, mais même mystérieuses, très différentes des autres fruits. Elles les ramenèrent à la maison, elles les offrirent à leur mari qui les goûta, elles avaient un goût absolument unique et délicieux. Et c'est ainsi qu'elles comprirent que sans doute leur chemin ensemble était un chemin qui plaisait à Dieu. Avec sa belle-sœur, elles passaient leur temps en outre à répandre le bien dans Rome auprès des pauvres. Et à un moment donné, elles se rendirent compte que parce qu'elles étaient connues pour cette piété, cette bonté qui émanait d'elles, cette joie, d'autres jeunes filles s'approchaient, mais aussi des veuves qui étaient toutes seules, qui avaient élevé leurs enfants. Et elles auraient bien voulu les suivre pour les imiter. En l'an 1425, donc elle avait 41 ans, alors elle se dit que peut-être il serait intéressant de créer une sorte de congrégation pour des veuves et des jeunes filles qui pourraient ainsi se porter les unes les autres, un peu comme elles se portaient avec sa belle-sœur, afin de marcher vers le Seigneur. C'était quelque chose qui existait à l'époque de saint Paul. Et d'ailleurs, elle eut très vite la confirmation que ce projet ne venait pas d'elle, mais de Dieu, par une apparition de saint Pierre et saint Paul, de saint Benoît, de sainte Marie-Madeleine. Donc, toutes sortes de vies, de personnes qui avaient vécu des vies très différentes sur terre. Saint Pierre et saint Paul étaient apôtres, des organisateurs nés. Quant à saint Benoît, il avait importé la vie monastique contemplative en Europe, en se servant des écrits de saint Cassien. Et sainte Madeleine, elle, eh ben, c'était une femme normale, avec tout le désir de l'amour qu'elle avait dans son cœur. Et Dieu l'emmena à la plus grande des saintetés, elle est à l'image de notre âme.
Toujours est-il que finalement, elle écrivit les règles, elle réunit ce petit groupe, elle se servit de l'argent de son mari pour leur trouver un local, et c'est ainsi que fut créée cette petite communauté d'oblates, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler. Tout cela lui était venu non seulement par inspiration, mais aussi dans les rêves, par le ciel qui lui dictait un petit peu comment agir. Encore une fois, on le voit, quelquefois, des intuitions qui nous viennent, viennent en fait du ciel, et il faut les écouter quand elles sont au service de l'humilité et de la charité. Si elles sont au service de la gloire, il faut s'en méfier. Toujours est-il que le pape Eugène IV, qui était là et qui la connaissait bien, approuva les règles. Ce qui était magnifique, c'est que sainte Françoise Romaine faisait cela tout en s'occupant de sa vie de famille, de ses enfants qui restaient vivants, qu'elle avait fini d'élever, et de son mari qui lui-même vieillissait. Et en 1436, alors qu'elle avait 52 ans, eh bien, ce qui devait arriver arriva, parce que déjà, c'était un âge avancé, et son mari mourut. Elle l'accompagna jusqu'à la fin. On peut dire que là aussi, comme épouse, qu'a mené son amour jusqu'au bout. Le sacrement de mariage consiste à porter le mari, peut-être moins spirituel, moins mystique, à le porter vers les gloires éternelles. Elle le fit. C'est le rôle des femmes qui, en général, vivent effectivement plus longtemps que le mari. Ce n'est pas pour rien que symboliquement la Bible dit que l'homme a été créé de la terre, parce que du coup il est moins directement porté au mystère du Christ, qui eux correspondent à l'amour. Quand on sait que l'Église est sortie du côté du Christ qui fut percé à la croix, on comprend que la femme qui fut créée d'Adam et de sa côte, de son cœur, donc pour l'amour, soit très proche du mystère du Christ. Toujours est-il qu'elle fit ce travail-là, et quand ce fut fait, eh bien, elle réfléchit et elle se dit « Tous les biens que m'a laissé mon mari, je les donne à mes enfants. Quant à moi, qu'est-ce qu'il y aurait de plus que de suivre le chemin de ces veuves, de ces jeunes filles qui vivent la vie religieuse ?» Et donc elle alla les voir et elle les supplia de bien vouloir l'accepter, elle qui n'avait rien d'autre que sa pauvre vieillesse à vivre avec elle. Elle leur demanda si elle pourrait être utile malgré son âge avancé, par exemple pour être servante, ça lui suffirait bien. Et évidemment, les religieuses, qui savaient bien qui elle était, c'était elle qui les avait fondées, l'acceptèrent immédiatement, sans aucun problème. Alors, qui sont ces oblates fondées par sainte Françoise Romaine? Est-ce que ce sont des religieuses avec les trois vœux de religion habituels, pauvreté, chasteté, obéissance? Non, c'est beaucoup plus simple. Ce sont plutôt une famille d'amis. Et la seule règle qu'elles ont, outre évidemment tout ce qu'est l'évangile, la piété, eh bien, c'est de s'offrir à Dieu et de s'offrir à leur prochain. Elles ne font pas d'autres professions que celles-là. Elles disent d'ailleurs, au lieu de dire « je fais profession », »,« je m'offre ». D'ailleurs, elles gardent certains biens matériels, elles peuvent sortir du couvent, aller se promener avec la permission de leurs supérieurs. Et le seul vœu, c'est d'obéir, comment dirais-je, comme à une maman, à leur mère présidente. Très vite, évidemment, sainte Françoise Romaine va être élue mère présidente. Comment ça pouvait être autrement? Et donc, elle comprit que cette maison était sans doute trop petite, trop inconfortable. Non pas qu'il fallait du confort, mais parce qu'il fallait au moins être pratique pour ne pas avoir des soucis dans la vie quotidienne. C'était donc une vie de famille qu'elle créait. Et donc, elle acheta, avec les biens qui lui restaient, qu'elle n'avait pas donné à ses enfants, une maison plus grande, tout proche du Capitole, à Rome. Et donc, elles se transportèrent toutes en pèlerinage après avoir communié. Cette maison fut appelée plus tard la tour du miroir, à cause d'une tour qui est au même lieu et qu'on a ornée sur la surface de reliefs qui sont semblables à des miroirs et qui brillent au soleil. Sur les quelques années qui va lui rester à vivre, évidemment, eh bien, Dieu va multiplier auprès de ses sœurs des miracles insignes qui toujours ont une signification spirituelle. Par exemple, puisqu'il faut signifier l'abandon à la divine providence. Non pas qu'elle n'ait pas d'argent, elles en ont, mais on ne doit pas s'y attacher. Alors voilà quelques petits signes qu'elle fera. Un jour, alors que le pain manquait à ses oblates, eh bien, Françoise prie le Seigneur. Et voilà qu'il multiplie quelques morceaux de pain en sorte que les sœurs peuvent être rassasiées. Et ensuite, on en remplit une corbeille avec les restes. Un peu le miracle de Jésus.
Une autre fois, les sœurs travaillent au champ et elles sont occupées à couper du bois. Et tout d'un coup, elles ont soif, mais elles n'ont rien à boire. Eh bien, Françoise s'approche d'un cep de vigne, sec en cette saison, et elle en retire des grappes de raisin qu'elle distribue aux sœurs. Et ça veut dire quoi? C'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que, véritablement, celui qui compte sur le Seigneur ne manquera jamais de rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner, le pape Léon XIII le précisera aux ouvriers, aux familles ouvrières en particulier. Vous devez épargner pour vos enfants en cas de malheur, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'y attacher. Les miracles qui égayaient son chemin ont tous une signification spirituelle. N'empêche que des corps furent guéris. Et ça, les Italiens s'en sont bien souvenus. Ça veut dire que, certes, Sainte Françoise Romaine nous aide à marcher vers le ciel, mais elle sait parfaitement quand on a un souci matériel et elle sait le combler. Par exemple, on raconte qu'une femme qui s'appelait Angèle était percluse d'un bras par la goutte. Et elle rencontra Sainte Françoise Romaine sur son chemin. Elle supplia que Sainte Françoise puisse la guérir, et immédiatement elle fut guérie. Ce n'était pas Sainte Françoise qui la guérissait, mais c'était le Seigneur qui obéissait à sa servante. Il me reste à raconter la mort de Sainte Françoise Romaine et de voir à quel point elle est une maman extraordinaire. Voilà que vers cette période-là, son fils Jean-Baptiste, son fils aîné qui était vivant, tomba malade d'une maladie grave et elle se dit: moi, mon premier prochain, c'est Jean-Baptiste. Je soigne bien des malades partout dans la ville de Rome, des malades qui me sont étrangers. Comment ne pourrais-je pas soigner en premier mon fils? Le problème, c'est qu'il était très contagieux. D'ailleurs, son confesseur, qui était un homme, je dirais, qui était doué en sciences de Dieu, lui dit: mais vous avez tout à fait raison. Votre fils est votre premier prochain, allez-y, et je vous ordonne même, au nom de l'obéissance, d'y passer la nuit auprès de lui, et tant de temps qu'il faudra. Et donc elle y alla, et elle fut saisie dans sa maison par une fièvre qui la jeta au lit. Et la fièvre était très forte, et elle ne partait pas. Et c'est ainsi que Sainte Françoise Romaine comprit que, sans doute, les derniers moments de sa vie étaient arrivés. D'ailleurs, Dieu lui fit connaître le septième jour de sa maladie serait le dernier de sa vie et qu'elle partirait pour l'autre monde. Alors, elle s'écria, pleine de joie, pleine d'enthousiasme, à l'idée de ce voyage merveilleux qu'elle allait faire, maintenant pour rencontrer enfin, face à face, son Seigneur. Dieu soit béni. Je dis au plus tard, je passerai de cette vie à une vie meilleure. On dit souvent que la mort est quelque chose où le démon vient nous tenter et quelquefois on y a toutes sortes d'angoisses. En réalité, pour ceux qui n'ont aspiré qu'à la vie éternelle, la mort est au contraire un voyage merveilleux, un passage très joyeux. Le démon, certes, à un moment donné se présentera puisque le Seigneur le veut. Il veut qu'on puisse véritablement le choisir lui. Mais en attendant, eh bien sa mort va être des plus douces, malgré la fièvre. Et effectivement, l'événement vérifia cette prédiction. Le 9 mars 1440, elle rendit simplement, paisiblement, son esprit à Dieu, dans une tranquillité admirable, sans aucun signe de douleur ni d'angoisse. Elle avait 56 ans. Elle en avait passé 12 en la maison de son père, 40 ans dans son mariage et 4 années dans sa vie religieuse avec ses oblates. Et les Romains ne s'y trompèrent pas, ils savaient qu'ils avaient là une sainte. D'ailleurs, on exposa son corps 3 jours à la vue de tout le peuple. Et ce qui fut fantastique, c'est que les signes sensibles accompagnaient sa dépouille. Ça veut dire que les gens le disaient en s'approchant d'elle, pour toucher quelque objet, pour en faire des reliques, pour après les apporter à la maison. Eh bien, qu'il y avait un parfum étonnant, qui était à la fois jasmin, œillet, rose, un mélange des trois, un parfum céleste. Et ça, je dirais, elle n'est pas la seule sainte, hein, au point que c'est devenu une expression dans le christianisme, mourir en odeur de sainteté. Qu'est-ce qu'indique le Seigneur par cette grâce sensible? Eh bien, que l'âme de la personne qui vient de passer dans l'autre monde est encore là. Quelquefois, elle est là vraiment, en train de s'occuper, de recevoir toutes les intentions de prière. Et quelquefois, elle est déjà partie au ciel, mais elle est déjà revenue.
parce qu'elle est revenue cette fois avec la vision béatifique. Et elle s'occupe des personnes qui sont là. D'ailleurs, ça va se multiplier. Autour de son corps, eh bien, les miracles se multiplient. Par exemple, un parfumeur appelé Jérôme, qui était à l'article de la mort, eh bien, il en est retiré aussitôt après avoir touché l'habit de la sainte. Il passa son temps, après toute sa vie, à essayer de reconstituer le parfum qu'il avait senti. Mais il ne put pas y arriver, tellement c'était quelque chose d'unique qui n'était pas de cette terre. Et toutes les grâces se multipliaient. On vit même un Turc musulman qui était venu en Italie, et puis on essayait de le convaincre que Jésus-Christ était Dieu, et lui, évidemment, rien à faire, il n'y croyait pas du tout. Il restait fidèle à l'idée que Jésus-Christ n'était qu'un homme, un simple homme, un prophète. Et quand il entendit qu'on disait les paroles suivantes, « Françoise, servante de Dieu, souvenez-vous de lui », aussitôt, il se convertit. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Certains se disent, les musulmans iront en enfer, ils n'ont pas la vraie foi, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est oublier que, à l'heure de la mort, évidemment, quand le ciel apparaît, que le Christ accompagne la Vierge Marie et les saints et les anges, lorsqu'ils voient en vérité qui est le Christ, s'ils sont droits, s'ils sont de bonne volonté, évidemment qu'ils vont vers lui et qu'ils confessent sa divinité. À Rome, toutes ces merveilles, évidemment, revinrent aux oreilles du pape et ils se mirent à travailler à ce qu'elles soient très très vite béatifiées et canonisées. Ainsi, les papes Eugène IV, Nicolas V, Clément VIII y travaillèrent. Mais Paul VI, ce fut pas en Paul V qui acheva cette affaire, c'est-à-dire toute l'enquête qu'il fallait, le 29 mai 1608. Et ce fut finalement le pape Innocent X qui a commandé que sa fête soit particulière. Dans cette journée, le 9 mars, il y a un double office. Et on voit à quel point donc les Italiens, eh bien, ils la considèrent comme l'avocate de leur ville, l'avocate de leur âme, tout simplement. Le jour de la fête de Sainte-Françoise Romaine, à Rome, on décide que c'est une fête chômée. On ne travaille pas ce jour-là, et donc, même si ce n'est pas obligatoire, on pourrait travailler. En tout cas, ça indique que les Romains veulent en faire l'équivalent d'une solennité. Les peintres italiens, les meilleurs peintres de la Renaissance, essayèrent de représenter Françoise Romaine avec toutes les scènes de sa vie, par exemple avec un petit âne, parce qu'elle passait son temps à faire la charité accompagnée de cet âne qui portait les choses, ou alors avec un ange à côté d'elle, qui était parfois si visible que, du coup, en pleine nuit, eh bien, il faisait comme jour autour d'elle. Parfois, on la représente avec un panier de légumes. Pourquoi ? Parce que dans sa communauté, eh bien, elle s'occupait aux tâches les plus humbles. Elle faisait les courses, elle faisait tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Ou parfois, on la représente avec l'enfant Jésus qu'elle reçoit de Notre-Dame. Bref, toutes sortes d'iconographies. Voilà, je m'arrête là pour cette première vidéo qui raconte la vie de cette grande sainte. Et dans la suivante, eh bien, je vais aborder le traité de l'enfer qu'elle a donné, pour bien comprendre que de la même façon que les visions qu'elle a eues, eh bien, il ne faut pas prendre l'enfer matériellement comme si c'était un four de feu, mais véritablement comme révélant quelque chose qui se passe dans l'âme, l'âme orgueilleuse, l'âme en état de péché contre l'Esprit Saint qui rejette Dieu.